Bah, je trouve ça absolument injuste, c'est pas logique, parce que on est là, on est genre peut-être un millier sur l'herbe, on est là à faire des soirées, mais par contre manifester pour nos droits, c'est interdit à plus de 10 personnes. C'est pas juste, c'est totalement injuste, c'est vraiment accable en fait, vraiment. Je trouve ça absolument injuste. Alors que là, on est juste vraiment en train de faire des soirées. Tout le monde fait ses soirées. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune politique, quoi que ce soit. Par contre, quand on veut manifester pour nos droits ou pour des choses sérieuses, on nous interdit de faire ça. C'est vraiment injuste. Je trouve pas que ça va pas avec nos droits. On devrait avoir le droit de manifester pour des choses importantes à plus de 10 personnes. Je trouve pas que c'est juste, vraiment. Là, on est combien? On est genre des milliers, un truc comme ça, en train de juste faire des soirées, de boire, de parler de nos boulots, de nos collèges, de nos lycées, peu importe. Par contre, quand on veut parler de choses importantes, que ce soit la réforme, que ce soit les réformes pour les retraités, tout ça, on peut pas être plus 10. C'est incroyable. Enfin, le gouvernement dit être démocrate. C'est pas ça la démocratie. Hein. C'est pas du tout ça la démocratie. Là, on est 1000 en train de parler, en train juste de parler de nos soirées, de nos amis. Mais par contre, on ne peut pas parler de choses importantes. C'est pas ça la démocratie. Hein. Le gouvernement fait n'importe quoi. Faut en parler. Plus on en parle, plus ça va être entendu. Plus ça va être entendu. All cops. ACAB, vraiment. ACAB. ACAB. All cops are bastards. Yeah. Si à tout il n'a pas répondu, c'est que ça dégage. On est d'accord. Bonjour, excusez-moi. Oh, faut arrêter le gouvernement. Oh. Ah bah si tu veux te faire il n'y a pas de vie. Jusqu'à ta mort sans problème. Chidou est interdit. C'est quoi la vie? Qu'est-ce que j'apprends? C'est mon problème, c'est vrai. Alors, c'est notre problème, c'est vrai. Non mais je rêve. Y'a. Dis quelque chose. Et bah franchement, madame, messieurs, profitez de la vie. On n'a qu'une seule vie. On était confinés pendant 2 mois. Et maintenant, on profite ce qu'il y a pour nous. Donc voilà, on est ici. Moi, je suis russe. Moi, j'ai fait les études. Je suis médecin. Et je trouve que voilà, il y a le seul moyen pour sortir, fêter et danser.
Je suis pas un ouf, parce que tous les pubs sont fermés et tous les bars sont fermés. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour s'amuser? C'est pas possible de rester chez nous tout le temps. C'est déprimé, ça me déprime. Et pardonne-moi pour mon français, c'est pas parfait. Je voulais juste dire que je suis ici avec mes amis. Et si elle veut parler, tu n'interdis pas de parler. Allez-vous-en. Elle veut parler, pourquoi tu l'interdis? On bat les couilles, allez-vous-en. Alors écoutez, c'est pour un peu fêter le déconfinement. Alors moi j'ai repris mon stage à Paris et je suis très heureuse d'être avec mes amis aujourd'hui sur cette grande esplanade qui est ouverte, qui nous permet de faire la fête. Et toi Pastrey? Moi je suis là, c'est parce que je reviens de Provence, je reviens de Vendée. Et je suis revenu ici fêter à Paris le déconfinement, même s'il y a pas mal de monde. Et c'est que du bonheur. Et après je m'en vais très très vite parce que cette ville est invivable. Voilà, c'est tout. Et moi tout pareil, je suis à Paris seulement pour ce soir et après je retourne chez moi, en Bretagne. C'est filmé ça. Et c'est filmé. Allons, tu veux.